C'est la deuxième fois que je participe à une journée de la TDI. Et outre le fait que je viens de par ma longue amitié avec Serge, je viens aussi pour l'intérêt et je retrouve exactement, si je devais trouver des mots-clés sur ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'est à la fois de beaucoup d'intensité, de contenu, de chair, c'est H-A-I-R, beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de fraîcheur. Alors, je ne sais pas si je vais exactement répondre à ta question, j'expliquerai après. D'autant que je ne l'ai pas posée. D'autant que tu ne l'as pas posée. Parce que, outre les questions d'évaluation, moi, j'ai été longtemps directeur d'établissement, dans le public et dans l'associatif. J'ai enseigné à l'université sur les questions de politique sociale et notamment sur les questions liées au vieillissement et au handicap. Moi, j'ai noté 4 réflexions rapides sur ce que j'ai entendu. J'irai assez vite là-dessus. Premièrement, c'est l'importance du regard et du regard réciproque. Vous venez de le dire très bien, c'est le fait, et c'est le préfet également l'a indiqué, c'est d'être capable d'inverser les choses et d'aller sur les potentiels et non pas simplement sur les difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer. Et de ce point de vue-là, le regard et la parole même des personnes en situation de handicap est quelque chose qui nous aide beaucoup et qu'il faut écouter ces paroles dans leur diversité, dans leur force, parce que justement, elles nous conduisent à réfléchir de façon différente qu'on pouvait le faire auparavant. Et réfléchir, et c'est ma deuxième remarque, sur la question notamment de l'autonomie. Je rejoins tout à fait mon collègue Laurent Barbe, et puisqu'il ce qui ressort, ce qui sourd un peu de tous les propos ici, c'est que l'autonomie, c'est un construit. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est acquis. L'enfant construit son autonomie. On la construit dans des tas de représentations, parfois dans l'amour, parfois dans le conflit. Parce qu'il y a des rencontres, parce qu'il y a des contextes de vie, parce qu'il y a des opportunités, et parce qu'aussi chacune et chacun opère des choix, et à la fois le respect de la personne et l'efficacité nécessite de comprendre ce système, de saisir les histoires de vie et ce qui les forge, pour pouvoir mieux accompagner en quelque sorte, et ça a été dit d'ailleurs, je crois par vous, Monsieur le Président de nous aussi, dans votre film, de dire permettre à chacun de faire sa vie. C'est en fait ça l'objectif et qui nous conduit à des tâches d'accompagnement et notamment, et c'est ma troisième remarque, d'être capable de combiner à la fois le fait qu'on travaille dans des règles collectives. Forcément, il y a des lois, il y a des règlements, il y a des dispositifs, il y a des financements. Et il faut s'adapter à cela, tout en cherchant à s'adapter également à chacune des situations singulières qui sont faites et dont vous avez dit la prise de risque, qui pose aussi le problème de la posture des professionnels, qui, quel que soit le métier d'origine, aujourd'hui on pourrait qualifier les fonctions que nous avons, enfin que vous avez tous, d'accompagnants. D'accompagnateur, de prendre la main de quelqu'un. C'est un peu ça le sens. Après, les formations initiales peuvent bien entendu être diverses, mais je trouve que le mot d'accompagnant qualifie bien l'ensemble des fonctions que vous exercez. Et ce qui me paraît très important dans vos travaux, que ce soit dans les films ou dans les monographies, les anecdotes que vous avez rappelées, même celles rappelées par votre préfet, c'est de capitaliser cette expérience. Qu'est-ce qui fonctionne, les difficultés, ce qui ne fonctionne pas, les facteurs de réussite, et de faire montre d'humilité, de pragmatisme, pour être capable de tâtonner. Et puis enfin, et je conclurai ce propos là-dessus, je crois qu'il faut également, parce qu'on voit bien les questions qui sont posées là aussi en filigrane dans les différents propos, il faut se donner les moyens d'agir aussi sur la société. Et je trouve que la présence de l'État, la présence du département, c'est-à-dire de collectivités dont, bien entendu, les compétences vont au-delà du champ social et portent des visions plus globales du vivre ensemble, de l'animation d'un territoire ou de l'animation
d'une nation nous conduisent à réfléchir, à sortir des questions d'autonomie du seul domaine dans lequel nous sommes aujourd'hui, et interroger aussi les grandes fonctions qui font le vivre ensemble, que ce soit l'école, la formation, l'emploi, le logement, la ville, le village. Et là, ici, on a un exemple, parce que le village de Pelloutier, ça donne vraiment envie de venir, notamment quand on vieillit, ça dit, c'est un petit coin intéressant. Mais c'est important d'autant plus que, depuis 2005, la notion de situation du handicap s'est considérablement élargie. Ça concerne des populations de plus en plus importantes. On est quand même sur plusieurs millions de personnes en France. Je crois qu'il faut prendre la dimension. Et on ne va pas faire du particulier pour 6 millions, 5 millions, 6 millions de personnes. Il faut bien à un moment donné que la société accepte de faire un travail sur elle-même et accepte d'ouvrir les portes. C'est pas facile, mais c'est aussi une des fonctions que nous devons avoir. Voilà. Merci. Merci, monsieur Saint-Denis-Pierre.